à droite et à gauche, oui. Il y a encore plus de 62% de l'opinion publique, malgré tout ce qu'on nous met dans la gueule, qui est favorable à ce mouvement social et qui est contre le projet de réforme tel que le propose le gouvernement. Je suis venu soutenir aussi les grévistes parce que, vous voyez, on a un Premier ministre qui dit « je veux pas la confrontation, c'est pas la guerre », et puis on est accueilli par des matraques. Eh bien, cette conception du dialogue social, ça montre la fébrilité du gouvernement. Ils sont fébriles. Il y en a une qui est partie au Maroc, au lieu de s'occuper de répondre aux revendications des grévistes. Et puis, on nous envoie la force de l'ordre. Et puis, la bonne vieille méthode. Quand on n'arrive pas à convaincre avec les mots, eh bien, on sanctionne. Et donc, je veux apporter tout mon soutien à Yacine. Parce que c'est la fierté. C'est la fierté de ce mouvement social, comme dans tous les mouvements sociaux, que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête parce que leur combat est juste. Et malgré les menaces, et ben avec ses camarades, ils tiennent. Donc félicitations à toi et on sera là, je serai là avec toi le 13 janvier. Ouais.